c'est trois jeunes hébreux saillants qui pourraient faire preuve de grande conviction. Et la Bible parle nous dans Daniel chapitre 3 et que monsieur dit qu'on sache, ô mon roi, que nous pas prosterner devant statue ou yo, même si bon Dieu que n'a servi un, il a délivré nous, mais s'il pas t'a voulu délivrer nous, pas comprendre que n'a prosterner nous. Comprendre, la Bible dit non, Shadrach, Meshach et Abednego, en réalité, Azaria, Anania, Misaël, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et puis, sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pas Tibagabiti. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Il répondit, « Oui, c'est ça, nous t'es fait, ces trois, nous t'es jeté. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ah oui, la conviction, mon Dieu, pas qu'il te honte. Oh, le Seigneur, dans un moment qui est difficile, il fait manifester sa grandeur. Le Seigneur, dans un moment qui est difficile, il montre force, les puissances. Et ça fait que matin, on a besoin d'être ferme. Parce que bon Dieu connaît, pas grand rien capable de vivre. Le texte que nous lisons pour dans Éphésiens, chapitre 6, là, verset 13, mes bien-aimés, la parole de Dieu fait nous connaître. Nous avons besoin de prendre toutes les armes nécessaires, toutes les armes de Dieu, pour que nous soyons capables de résister dans les mauvais jours. Parce que les périodes où nous traversons dans la vie, ces périodes de mauvais jours liées. Tout chrétien, tout le monde qui a servi bon Dieu, tout bon, ou bien des périodes de mauvais jours, ou bien des périodes côté que bon Dieu lui est passé par des épreuves, côté qu'au besoin résister, au besoin tenir ferme. Mais qu'on approche matin qui est important pour nous, ouais, en parlant de épreuves que le monde est capable de traverser comme serviteur de Dieu. Gon bagay qui est important matin pour nous souligner, c'est que gon bagay ou fin vive force ou déployer pour résister là-dedans, pour pas perdre la foi, pour pas succomber, li tellement énorme après ou fin surmonter li, après ou fin gain victoire, li facile maintenant pour tomber. Li facile maintenant pour tomber dans le regret, pour tomber dans le découragement, pour sentir faible, pour tomber ou pas qu'à prier encore, pour qu'il parce que ou déployer toute force. D'où nos besoins prudents, parce que après une grande victoire, généralement, il y a toujours une défaite qui arrive. Ça fait que l'apôtre Paul, limité mise en garde là, il dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Kimbel assujetti. Et que après une grande victoire dans la propagation de l'évangile, ça capable arriver que il tombe. Il dit je traite durement mon corps parce que prêcher l'évangile pour des âmes venir à la repentance, son grande victoire.
son grande victoire que lié. Mais faut le veiller, faut qu'il veille. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je tiens mon corps assujetti. Je le traite durement. Mais je le traite durement. Alléluia. Donc, il y a une probabilité pour que vous connaissiez la défaite après avoir tout surmonté. C'est ça qui fait que l'important, serviteur Paul encore dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, il dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Sans les armes de Dieu, vous ne pouvez pas résister dans le mauvais jour. Il y a un mauvais jour, il y a un vent qui a soufflé. Si vous n'avez pas des âmes, vous n'êtes pas capable de résister. Parce que l'ennemi a fait feu sur vous. Il a fait feu sur vous. Feu pour perdre la foi. Feu pour abandonner l'évangile. Feu pour tomber. Feu pour la goutte à terre. Feu, il a fait pour disparaître dans la foi. Il fait complot. Il planifie toute bagarre contre vous-même. Écoutez, si vous n'avez pas des âmes de Dieu, vous n'êtes pas capable. Et puis, il prend le bail, mes bien-aimés, toutes âmes que nous avons besoin. Il dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Faut qu'on parle selon la vérité, pas parler selon mensonge. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, tout ce qu'on fait, on fait avec justice. On va faire mon abus. On fait tout à fait avec justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il dit encore, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ou bien zèle pour prêcher l'évangile. Tout ça peut nous résister dans le mauvais jour. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ou bien zèle pour travailler pour mon Dieu. Ou bien zèle pour annoncer l'évangile. Ou bien zèle pour prêcher mon. Ou bien zèle pour travailler pour mon Dieu. Eh bien, c'est lui qui sert de chaussures. Des fois, on connaît ça, bon Dieu, qu'on fait pour le montrer que nous pas gainzel, lui montrer nous dans sommeil nous comment que n'a pas marché pied à terre. Mais oui, plusieurs fois quelqu'un qui fait songe comme ça, il voit que l'a marché en pleine rue avec les pieds nus. La personne a les pieds nus en pleine rue. Et des fois c'est pas seulement les pieds nus, mais aussi mon nan, il pas gainrad joli, il sans vêtements en grand public en pleine rue. Eh bien, non seulement ou pas gagne zèle pour l'évangile, mais aussi ou pas gagne vêtement de sanctification, ou nu, ou pas gagne bonnes œuvres ou pas bon. Et ça fait que le Seigneur dit l'église de la Odyssée, et ou dit ou gagne radzou, mais en réalité ou pas gagne radzou, ou nu, ou sans vêtement, ou nu. Et me conseille ou acheter rad nan men mwen. Parce que le Finlin que lui dit ces hommes Assad te gen sou yo, lui dit Finlin lui représente les œuvres justes des saints, bonne action nou yo. Donc, l'important pour nous connaître ce matin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, faut qu'on ait la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est lui-même qui s'est yon bouclier pour vous. Donc, il a fait feu, l'a tiré, mon gars, la foi dans bon Dieu. La foi pas atteindre. Il tire ça. La foi pas atteindre. La foi était intacte. Rien pas faut douter de bon Dieu. Rien pas retirer confiance dans bon Dieu. À son grand bouclier. Mais grands âmes, ça aurait. Et puis, ou gagne l'amour, ça son full automatique lié. Regardez. Et puis, son âme, il y a à la fois offensive et défensive. C'est la parole. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Donc, le salut que le Seigneur ben nous pour nous connaître, nous sauver. Et puis, il dit, prends aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Son âme offensive et défensive. Ou attaquer avec elle, mais aussi ou faire peur avec lui. Ça fait que l'ennemi pas veut mon chita dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il pas veut mon apprendre la parole de Dieu. Parce que des pouvoir pas prendre la parole de Dieu, comme bénédiction qu'a bien joindre nous. Parce que bon Dieu, il pas béni monde qui pas gain connaissance parole.
premier bagaille bon Dieu fait avec un monde, elle va loin avant, lui met au chita, lui enseigner, lui former. Non seulement par serviteur yo qui parle, mais aussi par les expériences de la vie, bon Dieu bénisto l'a formé. Après ça, il va le bénir parce que la parole de Dieu dit dans Osée chapitre 4 là, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Le monde manque connaissance là qu'a bon Dieu, eh bien ennemi il détruit, il faut prendre un piège li yo, il détruit facilement. Donc l'or et le Seigneur va loin avec nous, l'instruit nous, l'former nous. Donc, matin, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit côtoyé, toujours connaît ça. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui dit nous, l'or et nous finissons sur mon ton bagaille, nous besoin prendre toutes les amies pour nous qu'aimer femme. Que bagaille qui arrive, pas perdu la foi la donne, mais après, ou fin résister, ou faible. Que bagaille ou fin réaliser pour bon Dieu, ou faible. Ou besoin de force. Regardez comment la Bible dit nous, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir prié, jeûné pendant 40 jours, dans Matthieu chapitre 4, les grands goûts. Et c'est après cette victoire dans le jeûne, et puis l'ennemi en vini. Que bagaille vous souhaite faire pour mon Dieu, c'est pour attendre à une séduction de l'ennemi, c'est pour attendre à une tentation de l'ennemi, il faut qu'on attende à une réponse de l'ennemi, ou même au besoin des armes de Dieu. Pour résister. Oh, quel message vous finissez prêcher, quel bagage vous finissez accomplir pour le Seigneur, quelle mission vous finissez faire pour bon Dieu, ennemi en fâché, quel engagement vous finissez prendre la caille bon Dieu, vous finissez baptiser, vous finissez recevoir l'engagement du baptême d'eau, vous finissez prendre Sainte-Seine, l'ennemi fâché. Donc la haine de l'ennemi est contre vous-même. Maintenant, on a besoin de prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. De tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce que magaï au fin de surmonter, il crée un choc, il traumatise ou rester dans la réflexion. Ou surmonter le sept, bon Dieu délivre la donne, mais il crée une faiblesse qui vient d'en haut, une faiblesse. Comme si vous traumatisez. Donc, vous avez besoin qu'il y ait des femmes. Parce que il y a des gens qui continuent de vivre un drame. Pendant le drame, ils n'ont pas mouru. Ils ont résisté. Et puis, quand elle a fini de passer, ils ont quitté une blessure au plus profond de eux. Côté que ils sont beaucoup capables de s'en sortir vraiment. Donc, c'est ça la Bible dit nous. Après avoir tout surmonté, nous devons prendre les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme pour pouvoir résister parce que si pas gagné on succomber on tomber. La Bible explique nous dans Genèse chapitre 14 comment que Abraham fin gagner une belle bataille. C'était une grande victoire pour Abraham. Et puis dans Genèse chapitre 15 verset 1, la parole de Dieu nous dit après ces événements Abraham t'a doué dans la réjouissance. Il t'a doué content. Il t'a doué à faire fête. Mais Abraham, une grosse seule tristesse, son chagrin couvrit lui. Une tristesse, son chagrin qui couvrit lui. Mais oui. Et puis c'est bon Dieu qui descend pour dire Abraham, n'aie pas peur. Il vient consoler, il vient fortifier. Parce qu'Abraham vraiment découragé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, quel que soit côtoyé, toujours connaît ça. Après les grandes victoires, il y a toujours des défaites. Il y a toujours des défaites et que nous besoin résister, nous besoin faire bon Dieu confiance. Et pour finir matin, nous allons prier tout à l'heure. La parole de Dieu montre nous comment et cet homme, Amatsia, c'était un homme qui te prend pour voir te régner dans place papa li à l'âge de 25 ans. Monsieur, t'es commencé à marcher droite devant mon Dieu. Monsieur, t'es commencé à faire ça qui bien devant mon Dieu. Parce que la Bible fait nous connaître dans verset 1er, dans 2 Chroniques, chapitre 25. Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans et il régnait à 29 ans à Jérusalem. Donc, monsieur, pas si mal que ça. Mais, vous pouvez voir que
Et dans la vie, les hommes n'ont pas pris précaution. Parce que après les grandes victoires, nous devons être prudents. Nous devons être prudents parce que gon faiblesse, oui, gon faille, gon brèche. C'est comme si force ou déployer pour que capacité féminin, pour capable kimber, pour remporter victoire, li tellement en pile, ou vinn sans force après. Ou vinn sans force. Donc c'est ce qu'avait vécu notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur après avoir jeûné 40 jours 40 nuits, li grand goût. Cependant, il résistait dans 20 jours. Il résistait dans 22 jours, dans 30 jours. Mais coup 40 l'an fini, coup 40 jours a fini. Les faibles, les grands goûts, et c'est de là que l'ennemi vient paraître. L'ennemi vient paraître à la fin. Donc il finit remporter victoire, et puis l'ennemi apparaît pour le tenter. Le texte nous dit le diable vient tenter dans le désert. Matthieu chapitre 4. Mais le Seigneur résistait. Il résistait. Donc il faut que nous veillions ça. Que victoire vient gagner, qu'on est ennemi, il pourra le faire en deuxième vague. Il pourra le faire en deuxième vague. On réplique que la baille. C'est ça qui fait que la Bible fait nous connaître cet homme, il pas de comprendre ça, Amatia, monsieur pas de comprendre ça après une grande victoire que bon Dieu fin by monsieur parce que monsieur t'a fait preuve d'obéissance lorsque il t'a pris une décision et puis l'homme de Dieu vient bon côté lui et puis il dit mais mon cher pas aller non parce que j'ai préparé bataille là toute nèg ça prend la poil goumer bon Dieu pas avoir puis go descend parce que on perdu bataille là puis vraiment malgré que monsieur pas d'accord conseil là. Monsieur pas apprécié que projet de gain et ça le gata planifié. Connaissez l'homme nous, c'est l'homme ouais, l'homme planifié à faire non et puis on l'autre bagaille qui vini et nous contrarier mais généralement ça qui vini c'est là oui, bon Dieu a ban nos victoires là dedans. Des fois qu'on planifie pour vivre en côté à telle heure, on planifie un voyage et puis rapidement, on contrariété. Bon, on a capturé tête les problèmes. Mais non, par contre, ça, bon Dieu, épargne. Donc, la Bible dit non, monsieur, pas trop bien content, parce que monsieur était rassemblé tous les hommes de Juda, il fait contrat avec 100 000 nègres qui sortent d'Ephraïm. Donc, monsieur préparé pour la bataille. Et puis, l'homme de Dieu paraît, il dit, mais mon cher, sauf faire bon Dieu, pas la donne. Bon Dieu, pas la donne. Monsieur découragé. La Bible dit, nous le fâché. L'homme de Dieu dit, monsieur, bon Dieu, pas avoir sous des sons. On perdit. Vous voyez tout le monde la caillou. Vous voyez Ephraïm la caillou. Oh, c'est pas facile, non? L'or, on planifie à fond. L'or, on prend page, l'or, écrit. L'or, ouais, on commence à marcher, saute depuis en bas. Kafou aviation, on va monter. Ou presque arriver à Pétionville. Et puis, pour mettre affaire à Dieu comme ça. Ça, c'est affaire pour lui. Casser tête tournée. Et prend route nord. Passer route neuf. Mais oui, il est duré, parce que tu as marché trop. Et bien, c'est ça qui t'est arrivé à Matia. Monsieur, tu as fait toute planification militaire. L'homme garde des descriptions, Jean que la Bible dit non. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Mais comprenez, monsieur, tu as payé toute bagaille. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ça nous t'ai planifié, quel que soit ça nous t'ai pour nous t'ai fait, depuis nous, bon Dieu, mettons contrariété là-dedans. Pas bon Dieu, gloire. Pas garder ça n'a perdu. Monsieur, quand tu mets ton paquet l'argent dehors, imaginez-vous, monsieur, lui a un contrat avec 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Et puis. Monsieur Gatan, imaginez aux 100 talents d'argent, paquet de l'argent. Hein? En petit contrat, petit 100 000 garçons. Monsieur paye 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit au roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël. Israël était déjà tombé dans l'idolâtrie, donc le Seigneur
pas en affaire avec eux. Et avec tous ces fils d'Éphraïm, voyez-vous aller. Si tu vas avec eux, quand même, tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Les Amatia attendaient ça. Quête, je suis contrarié. Amatia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Puisque t'as payé. Puisque t'as payé. Tellement nèg la besoin réussi. Comprenez, dans la bataille là, quand t'as payé nèg yo, 100 000 garçons au pays et puis l'Éternel. Mon Dieu, ça n'a pas servi à mes bien-aimés dans le Seigneur. Bon Dieu, ça, son bon Dieu, gardez, nous pas qu'à comprendre des fois. Nous pas qu'à comprendre l'agissement lieu des fois. Nous pas qu'à connaître, non, parce que les souverains le fait ça le vle, les agis, j'en le vle, les agis, j'en le vle. J'en le vle. Nèg la fin fait toute préparation ça, quand t'as mis tout l'argent dehors. Et voilà, l'Éternel dit, bavo, bavo. Son bénédiction, hein. Des fois, on finit préparer mal et tout, préparer tout à fort. Mais bon Dieu met ton contrarié. Mon Dieu dit non, c'est pas ça. Puis on va chez non, pas mettre mon responsable dans, pas contrarié. Mais ben bon Dieu gloire, du Seigneur souverain, hein. Seigneur bon, hein. Ou pas jamais fait mon ton, non. Merci en pile. Et comme ça pour réagir. C'est pas crier pour crier. On crier, contrarié. Ouais, j'ai pas fait encore. Ben allez encore, on crier. Tout ça qui a marché pour moi, toujours en contrariété, tout ça qui a réglé pour moi, toujours bloqué. Non, vous êtes un monde spécial. Vous êtes un monde spécial, lui. C'est bon Dieu même. Bon Dieu même. L'Éternel même. Dans le dossier lié, il y a un droit, il y a un pouvoir sur le dossier. Eh bien, c'est ça qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu fait nous connaître. Amatia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? C'est monsieur regret cobla. Il a tapé le bacal dîné que monsieur, ah, l'Éternel dit, puis gamin là avec nous encore, remettre-moi l'argent. Non. Et puis ce bacal dit, comme ça. Bon, le monde veut nous toucher, tout le monde veut l'argent dans la main. Et puis l'homme de Dieu répond, monsieur, l'homme de Dieu dit comme ça. Ah ben l'Éternel a beau plus que ça, oui. Bon Dieu a beau plus que ça. Vous comprenez? Bon Dieu a beau plus que ça. Il y a un bacal qui a perdu. Puis quand vous regrettez-le au point que vous contrariez, bon Dieu qui a plus que ça, ma soeur. Oh, bon Dieu qui a plus que ça, pas contrarier, pas mettre tout problème. C'est où tu travailles, où tu fais. Si mes chances sont pour le prendre, quittez-le. Vous avez force, vous avez courage, vous avez santé. Bon Dieu a plus que ça. La parole de Dieu fait nous connaître dans verset 9 de Chronique, chapitre 25. Les Amatia plaignent de ça à l'homme de Dieu. De Chronique chapitre 25, verset 9, Amatia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela, bien plus que cela. Et l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Bon Dieu, qu'a beau plus que ça, ma sœur. Oui, il y a plus que ça, mon frère. Papa était au problème. Oui, papa était au problème. Il y a plus que ça. Des fois qu'on perd Dieu, bagaille, mais soit perdu à l'île la volonté de Dieu. Ah, pour la gloire de Dieu. Oui, qu'on perd Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, la volonté, mon Dieu. Donc, j'ai obéi. Mais c'est contre lui-même. Amatia triste. Il est triste. Il est triste. Et même Negio, que vous avez contrat, malgré Negio, l'argent en main, mais que vous fâchez peut-être que vous allez, oui. Bon, vous pas prendre l'argent dans mes mains, non. Vous pas prendre l'argent dans mes mains. L'argent dans mes mains, mais c'est pas pour l'argent de Vinfel. Son l'autre intention de rien. Parce que vous voulez aller, vous allez avec tout le cobla, mon nom. La chèche au compte toujours. Mon nom fâché. La Bible dit nous dans verset 10 là. Alors Amatia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Mais il fut très irrité contre Judas. Mais que fâché. Mais que fâché. Et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Tellement n'est-ce fâché. Il y a là qui a eu avec l'argent, oui. Il y a là qui a eu avec l'argent. Amatia va prendre l'argent dans main, non? Il n'y a pas prendre. Il n'y a pas payé d'avance. Peut-être n'est-ce pas participé. L'homme terrible, oui. Les gens n'ont gardé ou révoqué. Il n'y a pas de travail avant encore. Mais il continue à persécuter. Il continue à tenir malgré payer la révocation.
malgré ou fait toutes sortes de rien pour faire pour lui, il continue à nuire entreprise là, institution. Mais il est pas normal. Sous ton travail dans institution, il va aller ou pas rien pour saboter institution monio, pour parler institution mal. Comprenez? Pour décourager client par le service dans main yo, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le paye, le dédommage, comme servant de Dieu, même si vous n'êtes pas servant de bon Dieu, comme citoyen, vous devez respecter tête dans ce sens. Vous devez respecter tête. Parce que vous faites devoir normalement, vous payez. Si un client est là, vous connaissez qu'on représente l'entreprise, c'est pour dire ah oui, vous capable de tel numéro, il y a des services. Si un client est là, vous m'avez fait, vous ne pouvez pas connaître. Ah, bah là, encore non. Ah, bah quoi, il existe encore. Non, il n'y a pas justice, il n'y a pas bien. Il n'est pas bien parce que vous révoquez vos payants. Mais c'est ça qui vient avec là. La Bible dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 25, là, dans verset 10, là, vous êtes fâché. Vous êtes fâché malgré que vous êtes fâché. Vous êtes fâché parce que vous parlez dans la bataille. Bah, ça a fait Amatia mal en pile parce que je regrette l'argent. Je ne suis pas content. Amatia n'est pas content. Mais la Bible dit nous dans verset 11, là, 2 Corinthiens chapitre 25, Amatia a pris courage. Il prend courage, oui. Il regrette l'argent. C'est râler l'argent pour payer 100 000 garçons. Les n'a fait bagay yo tout pas tant bon Dieu orienté nous perd de l'argent toi. Là où n'a fait bagay yo n'a pressé nous pas tant bon Dieu ba nous direction que l'argent perdu. Que l'argent nous perdu. Amatia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir, 10 000 hommes. Hein? Les patio des fils de Séir. Amatia prit courage et conduisit son peuple. Il prit courage. Écoutez, c'est belle bagaille, Amatia, ça le vive là. Il prit courage là-dedans. Malgré ça, il ne va pas attendre que c'est comme ça, bon Dieu, tu as préparé bagaille là. Mais il prit courage, il n'est pas découragé. Il n'est pas baissé les bras. Et puis, monsieur vraiment l'allé. Jean, l'homme de Dieu, t'a dit pour aller à Palgoumé avec et mon Ephraim, yo, donc aller seulement avec les enfants de Judas. C'est avec eux seulement pour aller. Et si Amatia prit courage et conduisit son peuple, il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séir. Donc, son belle victoire. Maintenant, après cette belle victoire, malheureusement, M. Pral Konon une défaite terrible. On nomme bon Dieu fin par là avec clair comme ça. Bon Dieu fin entré dans un dossier clair comme ça pour vous. Et pour aller tomber là, la Bible fait nous connaître. Et bien aimé, M. Pral tomber. Une belle victoire, bon Dieu, M. La Bible dit nous que M. Nick paraît, il alla dans la vallée du sel, il bâtit 10 000 hommes. Des fils de Séir, rapide. Donc c'était une grande victoire. Et puis, la parole de Dieu dit, nous arrivons dans verset 14 ans, il allait connaître une grande défaite. Une grande défaite de Chroniques, chapitre 25, verset 14. Lorsqu'Amatia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir. Et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors, où est comment nous fragile nous-mêmes l'homme? Après une telle victoire, bon Dieu parle dans le dossier. L'Éternel parle dans le dossier pour montrer que la bataille est avant. Regardez comment, ou tu as fait préparation militaire, ou dit que vous faites contrat avec 100 000 nèg qui sorti en Israël et que alors n'a pas dit Noah parce que le grand Israël toujours était le grand Israël mais c'est la division des deux royaumes qui vient faire que au gagnant le sud qui est et Juda qui vient pour capitale Jérusalem donc après la mort de Salomon donc c'est de là on va joindre que le royaume vient diviser en deux du sud qui gagnant pour capitale Jérusalem et que les judéens donc les enfants de Juda et pour venir gagner le royaume du nord qui est pour capitale la Samarie qui est bien dirigé par Jéroboam lui-même est dans le nord et puis Roboam lui-même
li dans le sud. Donc c'était comme ça. Mais c'est Roboam, c'est pas Jéroboam qui la cause division vraiment, parce que l'on lit dans 1 roi chapitre 12 où est toute démarche qui était faite pour que eh bien royaume n'a capable toujours été uni, mais puisque c'est en prophétie que le Seigneur t'a fait, il t'a dit Salomon, ben m'a déchiré royaume non, mais pendant vivant à cause de papa David, pas faire pendant qu'on vivant. Et puis vraiment vrai, lorsque et David Salomon mourit, et puis désordre la pral fête, division du royaume. Donc ça fait que vous venez une différence entre Juda et Israël. Donc c'est comme si on parlait du nord et du sud du même pays. Donc c'est toujours le grand Israël, mais qui vient diviser en deux, le nord et le sud. Le sud, Juda, capitale Jérusalem, et le nord, Israël, capitale la Samarie. Le pays a été divisé. Donc là, on lit l'histoire dans 1 roi chapitre 12, on pourrait lire davantage. Donc c'est comme ça, la parole de Dieu vient faire connaître que deux peuples ça yo vin, alors pas deux peuples non, division ça li vin arriver jusqu'à époque Amatsia, donc côté que t'a pral fait contrat avec le nord pour que capable vin bal renfort dans le sud. Donc Amatsia c'était un bon serviteur qui commençait bien, mais malheureusement après cette grande victoire il plongeait tête dans une grande défaite parce qu'il tombait dans l'idolâtrie. Mais qui s'acprend monsieur ça prend un homme non. Bon Dieu fin par l'avoir. Bon Dieu montre lui dans dossier, lui entre dans dossier, il pas avli que dans la guerre avec groupe de monde que il pas marcher avec yo. Et vous tendez conseil là vraiment, ou obéi, qu'on y a ça prend. Ça prend, ça passe dans tête ou. Ça passe dans tête ou qu'on y a pour aller révolter contre l'Éternel, pour aller révolter contre l'Éternel. Donc, monsieur fait bon Dieu honte après une très grande victoire. Nous besoin veiller ça parce que après les grandes victoires, il y a toujours des défaites qui nous attendent. Nous devons être prudents. Le texte nous dit dans 2 Chroniques chapitre 25 au verset 14, lorsqu'Amatsia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Ça prend, monsieur. Donc, il prend les divinités, les idoles du peuple de Séir, et puis il prosterne devant eux. On demande bon Dieu grâce ce matin pour nous finir bien la Kaili. On demande bon Dieu grâce pour le Kembe nous après les grandes victoires que nous finissons accomplies. On demande bon Dieu grâce pour ne pas quitter nous tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que souvent c'est ça qui arrive, lorsque nous finissons accomplir une grande victoire pour le Seigneur, l'ennemi vient toujours pour que la guenou de la défaite. On nous demande, mon Dieu, force, on nous demande le courage, détermination pour nous résister, pour ne pas céder. Prions le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, notre